nous sommes ici, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci pour chaque parole que tu déposes dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque fois où tu prends le temps de venir nous parler, Seigneur. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, mais tu ne cesses de parler à nos cœurs, Seigneur. C'est pourquoi je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir mis cette pensée, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux la partager avec tous mes frères et sœurs, Seigneur. Tu m'as dit, il y a de la puissance dans la bénédiction. Et c'est vrai, Seigneur, nous le reconnaissons. Il y a de la puissance dans la bénédiction. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui est en communion avec nous en cet instant. Je te demande d'accomplir cette œuvre extraordinaire au travers de cette pensée prophétique que tu as mis dans mon cœur, afin de la relâcher en ce jour sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te rends déjà grâce, Seigneur, et je te dis merci de l'impact spirituel que cette pensée va avoir dans la vie de tous ceux qui seront en accord avec cette parole, de tous ceux qui ouvriront leur cœur et la recevront. Seigneur, merci. Agis avec puissance, agis avec autorité dans leur vie, car je sais que cette semence qui sera relâchée et qui est plantée aujourd'hui aura un impact surnaturel dans cette saison afin de les propulser dans leur destinée, Seigneur. Seigneur, active les dons et les capacités que tu as déposés en chacun d'entre eux, Seigneur. Qu'aujourd'hui soit un jour qui marquera leur destinée à tout jamais, Seigneur. Nous voulons tous ensemble te rendre grâce pour la perfection de ton timing, car nous reconnaissons que ton temps est parfait et que chaque chose s'accomplit au temps que tu as fixé d'avance. Que Dieu vous bénisse et vous garde à chaque instant, mes bien-aimés. Savez-vous qu'il y a une puissance dans la bénédiction ? Il y a une puissance, une réelle puissance. Nous lisons dans Genèse 1, à partir du verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Quand Dieu créa l'homme et la femme, la première chose que Dieu fit, c'est de les bénir. Oui, c'est de les bénir, car il savait que sans sa bénédiction, il leur était impossible d'accomplir ce pour quoi il les avait destinés. La bénédiction est donc essentielle, indispensable et vitale. La bénédiction est quelque chose que tu dois recevoir pour réussir le mandat que le ciel t'a envoyé, mon frère, ma sœur. Oui, il faut le dire, au cours du temps, nous avons minimisé l'importance de ce que vraiment veulent dire les mots « que Dieu te bénisse ». Oui, nous l'avons minimisé et nous l'avons employé trop à la légère, comme un simple « bonjour ». Nous avons si facile de dire « que Dieu te bénisse ». Mais mesurons-nous et comprenons-nous toute la puissance qu'il y a dans ces mots. C'est bien plus que de simples mots quand nous disons que Dieu te bénisse. Il y a bien plus que tout cela. Ce ne sont pas simplement des souhaits ou des vœux que nous adressons à la personne à qui nous le disons. Non, car il y a des bénédictions. Quand elles sont relâchées avec l'autorité de Dieu, elles produisent dans la vie de quelqu'un quelque chose qui te propulse littéralement au succès que Dieu a en réserve pour ta vie. Et aujourd'hui, ces paroles que je vais relâcher sur vos vies vont retentir dans le ciel et sur la terre pour vous propulser dans votre destinée et vous permettre d'accomplir pleinement la mission que Dieu vous a attribuée personnellement à chacun d'entre vous. Mon frère, ma sœur, sans la bénédiction, ta divinité ne se révélera jamais. Sans la bénédiction, ta réelle identité en Christ ne pourra jamais se manifester. C'est pourquoi tu as besoin d'être béni. Oui, tu as besoin d'être béni, mon frère, ma sœur. Alors que signifie vraiment cette parole « que Dieu te bénisse » ? Que Dieu te donne la capacité surnaturelle pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Voilà ce que signifie que Dieu te bénisse.
qu'il te donne cette capacité surnaturelle pour accomplir ce pourquoi tu es appelé. Quand la bénédiction descend sur la vie de quelqu'un, elle a la capacité de déclencher des événements surnaturels, d'ouvrir le ciel, de produire des opportunités, des rencontres divines, de déjouer les plans de l'ennemi, de repousser tes adversaires, de faire taire ceux qui parlent mal sur ta vie, de guérir les malades et de sauver les perdus qui passent sur ton chemin. Voilà ce que la bénédiction produit. La bénédiction a le pouvoir de te garder et de te protéger. Oui, où que tu ailles. Et tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni au nord et tu seras béni au sud. Tu seras béni à l'est et tu seras béni à l'ouest. Une personne bénie peut réussir n'importe où où la bénédiction la poursuit. Elle a le pouvoir de changer la dimension dans laquelle il se trouve. Même si les cœurs sont fermés, la bénédiction fera en sorte qu'un climat de paix et d'amour s'installe là où tu es et elle amènera la personne en face de toi à recevoir la bénédiction à son tour. Voilà ce que produit la bénédiction. La bénédiction a le pouvoir de déclencher la faveur de Dieu et la faveur des hommes. La bénédiction est capable de changer radicalement la vie de celui qui la reçoit, de la transformer pour que la gloire de Dieu se révèle dans cette génération. Car nous sommes appelés dans cette génération à marquer notre génération, à faire ce pourquoi nous sommes appelés. C'est pourquoi Dieu a suscité dans vos vies, mes bien-aimés, des canaux légaux par lequel Dieu a délégué l'autorité de parler sur vos vies et d'engager le ciel pour vous. Oui, mais soyez prudents. Soyez prudents sur ce point. Car vous ne devez pas vous laisser bénir par n'importe quelle source. Car comme il y a de bonnes sources, il y en a aussi de mauvaises qui produiront tout à fait l'opposé dans votre vie, qui vous bloqueront au lieu de vous propulser plus loin. Certaines intentions du cœur ont une grande puissance dans les lieux célestes. C'est pourquoi il faut que vous vous méfiez de qui vous bénit, de qui vous recevez cette bénédiction. Une personne qui ne porte pas de bons fruits n'est pas apte à vous bénir. Non. Reconnaissez donc ceux que Dieu a envoyés pour vous bénir et laissez le Saint-Esprit vous parler sur ce point et recevez la bénédiction qui produira un fruit éternel dans votre destinée. La vraie bénédiction est capable de produire des richesses d'en haut dans la vie de celui qui la reçoit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun mal, nous dit la parole, ou d'aucun chagrin. Tu es béni et tu es mis à part pour que la gloire de Dieu se révèle dans ta génération, mon frère, ma sœur. La bénédiction t'a qualifié là où tous t'ont disqualifié. Oui, tu dois aller briller sur le territoire où tu vas montrer à tous ceux qui sont autour de toi que le fruit de Dieu se développe en abondance en toi parce que tu es béni. Oui, la bénédiction fera de toi une personne unique, distinguée parmi les autres, spécialement douée dans le domaine où Dieu t'a qualifié. Bénir veut dire relâcher de bonnes paroles. Relâcher de bonnes paroles qui produiront la capacité à accomplir la mission que Dieu t'a destinée. Peu importe l'opposition qui se présentera devant toi, mon frère, ma sœur, car la bénédiction est une source d'élévation. La bénédiction a le pouvoir d'écraser, de piétiner toute forme d'opposition. C'est pourquoi je le déclare, que la bénédiction soit ton partage aujourd'hui et jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je veux parler en ce jour sur ta vie, en proclamant ces mêmes paroles que Dieu a données à Moïse quand il lui a dit « Parle à Aaron et à ses fils et dis « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce,
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Oui, Dieu nous bénira en retour. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te bénir et parler sur ta vie en proclamant de bonnes choses. Je déclare, tout ce que Dieu avait en réserve pour toi en cette saison va se concrétiser pleinement sur ta vie. Qu'il fasse descendre sur toi une pluie de bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Qu'il rafraîchisse ton âme de paix et de joie. Qu'il restaure ton cœur de toutes les blessures du passé. Oui, de toutes les blessures du passé. Je parle sur ta vie en cet instant, mon frère, ma sœur. Et je déclare que la capacité divine que Dieu a mis en toi est activée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, tout le monde pourra constater qu'une puissance extraordinaire et surnaturelle t'accompagne dans tout ce que tu fais. Désormais, tes projets réussiront, tes rêves se réaliseront et tes paroles se concrétiseront. Oui, désormais, à chaque fois que tu parleras, la bénédiction descendra. À chaque fois que tu parleras, le ciel s'ouvrira sur la terre et un miracle se produira. Je parle sur ta vie en cet instant, mon frère, ma sœur, que désormais la dimension du surnaturel est à la portée de ta main. Aujourd'hui, quelque chose se passe dans ton esprit. Des faux raisonnements tombent en poussière et des limites sont brisées. Ton intelligence s'ouvre et devient plus sensible au surnaturel de Dieu. Oui, c'est pourquoi désormais, tu auras conscience que même si les épreuves et les combats s'intensifient autour de toi, tu détiens entre tes mains, et je le dis bien, tu détiens déjà entre tes mains la force et la capacité pour briser tes adversaires, pour fermer la bouche à ceux qui parlent mal et pour obéir à tout ce que Dieu te demande, que ce soit facile ou que ce soit difficile. Désormais, ton regard se changera. Tu verras tous tes combats comme de nouvelles opportunités où la gloire de Dieu va se manifester au travers de toi. Oui, certains d'entre vous ne vont pas seulement tourner la page. Non, ils vont écrire un nouveau chapitre de leur histoire avec Dieu. Un nouveau départ totalement différent qui n'aura rien à voir avec votre passé. La bénédiction a la capacité de changer ton histoire, mon frère, ma sœur, de changer ta position sur cette terre. Et aujourd'hui, la bénédiction que je relâche sur ta vie produira un fruit extraordinaire et changera ton être tout entier, ton être intérieur, pour t'amener dans un nouveau niveau avec Dieu, dans une nouvelle dimension avec Dieu. La bénédiction a la capacité de te faire vivre par la foi, de te faire marcher par la foi, de te faire parler par la foi et de te faire agir par la foi. Elle amène à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà devant tes yeux. Oui, n'oublie jamais que Dieu n'est jamais en retard. Nous en avons déjà parlé, mais j'aimerais encore en parler aujourd'hui, juste un instant. Dieu n'est jamais en retard. S'il n'exauce pas ta requête, c'est simplement parce qu'elle est bien plus petite que le plan qu'il a en réserve pour toi, que le miracle qu'il veut accomplir pour ta vie. Voilà la vraie raison. Souviens-toi de l'histoire de Marthe et Marie. Elles ont fait appel à Jésus pour venir guérir leur frère Lazare. Oui, elles ont fait appel à lui pour venir guérir leur frère Lazare. Mais il n'est pas venu car il avait en vue un plan bien plus merveilleux, bien plus meilleur qu'une simple guérison. Oui, les deux sœurs ont pensé que Jésus est arrivé trop tard pour guérir leur frère. Voilà leur pensée. Ça, c'était la réalité devant leurs yeux. Mais la vérité était tout autre.
car Jésus n'était pas en retard. Il était parfaitement à l'heure par rapport à son plan parfait. Parfaitement à l'heure. Dieu n'est jamais en retard. Et la Bible nous dit, s'il tarde, attends-le. S'il tarde, attends-le. Amen. Car il a en réserve pour toi quelque chose de bien meilleur que tout ce que tu n'aurais jamais espéré recevoir de sa main. Oui, bien meilleur. Écoute ça. Si Jésus n'est pas venu pour guérir Lazare, c'est parce qu'il voulait faire un miracle encore plus extraordinaire en faisant une résurrection des morts. Voilà pourquoi il était en retard. Il n'était pas en retard, il voulait faire un miracle extraordinaire. Et ainsi, savez-vous ce qu'il a fait ? Il a prouvé à tous ceux qui étaient autour de lui qu'il n'a pas seulement le pouvoir sur la maladie, mais il a aussi le pouvoir sur la mort en personne elle-même. Voilà ce qu'il a voulu prouver. Oui, il n'a aucune limite, ni dans le naturel, ni dans le surnaturel. Nous avons un Dieu sans aucune limite. Et son plan est de loin plus parfait que tous les plans que nous pouvons imaginer ou concevoir dans nos esprits. Il a tout pouvoir et toute autorité sur le naturel et sur le surnaturel. Alors, ayons confiance en ce Dieu de l'impossible et gardons nos yeux fixés sur lui. Car il va changer ton histoire, mon frère, ma soeur. Je le déclare encore aujourd'hui, il va changer ton histoire afin que tu proclames haut et fort qu'il est ce Dieu de l'impossible. Qu'il est ce Dieu de l'impossible à qui tout est possible. À qui tout est possible. Je déclare maintenant que ces paroles que je décrète aujourd'hui sur ta vie, mon frère, ma sœur, te poursuivront et t'atteindront. Oui, partout où tu te trouves, reçois maintenant la bénédiction sur ta vie. Reçois la bénédiction qui vient d'en haut. Reçois cette bénédiction. Tu seras béni tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, tu verras grâce sur grâce, gloire sur gloire. Tu prospéreras dans tout ce que tu feras. Oui, tu seras béni tous les jours de ta vie. Tu seras la tête et non la queue. En haut et non plus en bas. Devant et non plus derrière. Tu seras le premier et non plus le dernier. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Au début. Jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Dieu te donne la supériorité. Dieu te donne la domination. Oui, il te donne l'élévation au-dessus de tes adversaires. Voilà ce que Dieu te donne. Tu marcheras en bonne santé tous les jours de ta vie. Partout où tu t'avances, les ténèbres reculent. Et ta marche est bénie. Ta marche est bénie. Tu ne seras pas ralenti, tu ne seras pas stoppé. Ta marche est bénie. C'est Dieu qui avance devant toi et toi tu suis ses pas. Il ouvre le chemin devant toi et tout ce qui est blocage est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne pourra arrêter, rien ne pourra stopper ta marche. Non, Dieu te donne en partage tout territoire que la plante des pieds foulera. Il te la donne. Prends-la, le territoire que ton pied foulera, Dieu te le donnera. Ce sera ton territoire, ce sera ta propriété. Au nom de Jésus-Christ, tes mains sont bénies. Mon frère, ma sœur, tes mains sont bénies. Tout ce que tu touches sera béni. Et tout ce que tu touches prospérera. Oui, tu prospéreras à tout égard, tout égard. Tu es comblé de toutes sortes de bénédictions naturelles et surnaturelles. Et la faveur divine est sur toi. Oui, elle est sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Dieu ne se repent pas de ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Il décrète et il accomplit. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ton couple est béni. Tes enfants sont bénis. Tes petits-enfants sont bénis et la bénédiction se répand jusqu'à la millième génération. Oui, ta descendance est bénie.
Maintenant, le ciel est ouvert sur ta vie. Et tu seras un témoin vivant de ce que Dieu est réel et vraiment actif dans ta vie. La bénédiction qu'il t'offre aujourd'hui est réelle, réelle, et elle se manifestera bientôt, dans les prochains jours. Tu verras déjà l'accomplissement de ces paroles. Oui, dans tout lieu, on entendra parler de toi. Les peuples et les nations de toutes parts proclameront que tu es béni de l'Éternel et que ta descendance bénéficie d'une grâce particulière. En cette nouvelle saison qui se lève sur toi, mon frère, ma sœur, en cette nouvelle saison, je proclame que toutes les phrases qui ont été prononcées et relâchées sur ta vie s'accompliront au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y en a pas une seule qui restera sans effet. Pas une seule. Parce que si tu as été attentif à tout ce qui a été dit, si ton cœur était attentif à tout ce qui a été dit, tu as certainement fait comme Samuel et déclaré, Seigneur, je ne laisserai tomber aucune des paroles que tu as prononcées. Je ne les laisserai pas tomber par terre, Seigneur. Je crois et je confesse que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu vas faire un miracle dans ma vie. Tu vas changer mon histoire. Oui, reçois ta bénédiction en ce jour, mon frère, ma sœur. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Que ces paroles descendent dans ton cœur et que le Saint-Esprit vienne attester tout ce qui a été dit. Que cette semence qui vient d'être semée et relâchée dans ta vie produise un fruit éternel pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur.